Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raincode. J'espère que vous allez bien, nous allons voir le profil pour voir si on a été mis à jour. Non. Aptitude, on sait pas, ça n'a pas été mis à jour. C'est honteux. Allez, réveille-toi un peu. Qui c'est qui vient nous aider là? Shinigami. Tu bouges un peu là, s'il te plaît? Yuma? Allez, la porte là. Mais il veut vraiment rester là. Hein. Je peux pas bouger. Hein. Je peux bouger avec la caméra. Ah, quand même. Maître, t'es qu'un imbécile. Tu veux te sacrifier? Non, je veux pas. Et tu décides de ça seul dans ton coin. En contrôle Shinigami là, c'est ça? Je ne te laisserai pas faire. Allez, tue-le. À force de tout porter sur tes épaules, t'as perdu de vue qui tu es. Alors tu ne vaux pas mieux que lui. Pourtant, t'es pas seul. T'as une partenaire toute ronde, incroyablement taquine mais irrésistiblement adorable à tes côtés. Je n'ai rien demandé, moi, je ne me souviens pas avoir sollicité tes pouvoirs. Tu t'en souviens peut-être pas, mais moi si. Tu avais besoin de moi. J'oublierai jamais ce que l'ancien toi m'a dit, maître. Ah, on va en apprendre plus sur la demande au livre de la mort. Ah mais c'était effectivement dans cette... là-dedans. Ça fait un bail que je n'ai pas vu d'humain. Ok, il a pris le bouquin et il s'est paré avec. Et il l'a fait ici. À l'abri des regards. Tout le monde a tellement peur de moi qu'on m'enferme dans la bibliothèque de l'OMD depuis longtemps. Alors comme ça, tu veux conclure un pacte avec moi. T'as pas l'air au fond du trou pourtant. Disons que je dois faire face à des circonstances exceptionnelles. Et j'ai besoin de ton aide. Oh là là, tu me veux à ce point. Là où je vais, la vérité n'existe pas, même lorsque le mystère est résolu. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Tu sais comment contourner cela. Tu comptes vraiment sur moi. Hein. C'est peut-être adorable, mais pas moins une déesse de la mort. Mon aide est loin d'être gratuite. Je sais, cela me permet d'éclaircir les énigmes les plus inaccessibles, je suis prêt à vendre mon âme. Les émotions doivent être écartées pour trouver une solution parfaite par une déduction parfaite. C'est ça, un détective. Oh, tu as pété un boulon, non? Pourquoi es-tu si accroché à la raison du mystère, d'ailleurs? Pour rendre tout le monde heureux, c'est certain. Hein? Je veux résoudre tous les mystères de ce monde et donner du bonheur à tous. Naturellement, certaines vérités sont dures à entendre, mais toutes les révéler peut permettre au plus grand nombre d'être heureux. C'est ma solution parfaite. Sérieux, je comprends même pas ce que ça veut dire. Je rêve d'un monde où personne ne pleurniche n'étant prisonnier de mystères non résolus. Tu trouves ça étrange? Le gars s'appelle quand même numéro 1, hein, parle du melon. Voilà. Je veux résoudre tous les mystères de ce monde et donner du bonheur à tous. J'ai dit ça. Quand t'as appris qu'un homoncule dont était le modèle était impliqué dans le grand mystère mondial, tu as conclu un pacte avec moi pour régler tes propres problèmes. Cette voie qui mène à ta solution parfaite, c'est toi qui l'as choisie. Tu es allé jusqu'à abandonner tes souvenirs et ton identité de numéro 1 pour en arriver là. Ma présence ici à tes côtés est la preuve de ta détermination sans faille. Ce qui est bien ou mal peut changer selon ton interlocuteur. Il y a une infinité de bonnes réponses, mais la vérité, c'est différent. Il n'y a qu'une seule vérité définitive, et elle se trouve à l'intérieur de ce labyrinthe de mystères. Que ce soit approprié ou non, sont deux choses distinctes, que peut découvrir une fois le mystère résolu. Mais pour l'instant, il faut dévoiler la vérité, sinon on se retrouve à stagner. Si tu vas pas jusqu'au bout, alors ton rôle de détective, tous les efforts jusqu'à maintenant. Tout ça aurait été en vain? Maître, tu n'es pas tout seul. S'il le faut, repose-toi sur moi, ce ne sera pas la première fois. Nous ne sommes peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais nous formons une assez bonne association. Alors, t'as pas le droit de laisser tomber de façon unilatérale. Révéler la vérité pour permettre au plus grand nombre d'être heureux, c'est la solution parfaite.
Je ne suis plus qui j'étais avant. Je n'y arriverai jamais. Néanmoins. Il était temps de te réveiller un peu. Mais une chose me tient toujours à cœur. Je veux rendre les gens heureux. Je le pense du fond de mon cœur. Donc je continuerai à résoudre des mystères. Le bonheur ne devrait pas se reposer sur des mensonges. Maître. Un bonheur sans mensonges. Tu penses que c'est possible à Kanai Ward? Bah non. Je vois, c'est un spectre de mystère à ton image, pas à la mienne. Bah oui, évidemment. Tu penses que tu peux atteindre cette soi-disant solution parfaite? Une copie en serait incapable, mais tu penses que tu peux réussir simplement parce que tu es l'original? Tu n'es qu'un être amnésique et dénué de substance. Tu penses réellement que tu peux rendre tout le monde heureux? Je suis à tes côtés, maître. Je sais Shinigami, perçons ces mystères ensemble. Au diable mon passé et mes souvenirs, c'est en tant que Yuma Kokohed que tu feras la lumière sur tout ça. Ah, le jeune apprenti est content. Ah, il y en a 4 maintenant. Ah, il y en a 8. D'accord. Ah, il peut faire ça, lui. C'est honteux. Pin, pin, pin. Là, ça va pas être duel de raisonnement, ça va être duel de tarte dans la gueule. Si. On n'est pas dans la même mélodie, là. Pin, pin, pin. Bon, ça sent le boss final, évidemment. Vous l'aurez compris. Ta ta ta. Et le temps de chargement final aussi. Hein. Ah, celui-là. Ah, celui-là, il est donné. Hein. Il est gratuit. Ah. Alors, comment on va se battre là? Il y a 10 ans, le GU a demandé à Matsuratsu de faire des recherches sur les homoncules. Ah, mais on a l'envers, pourquoi on... À des fins militaires. Des fonds conséquents ont été injectés dans ce projet, ce qui a permis à Kanai Ward de se développer. Oui, ça oui. A aussi mis en place son propre centre. Ah, mais j'ai oublié de tout envoyer, c'est ça? J'ai eu, finalement, réussi à créer un homoncule. Ok, j'envoie tout, c'est drôle, la point de vue. Et c'est ainsi que naît le spécimen, basé sur le numéro 1 détective. Ah non, j'ai loupé. Ah, mais même A s'est repoussé. Tout le premier de son espèce, toi, Makoto Kagetsushi. Ok, il faut juste lui envoyer les machins bleus de l'histoire. À moi de jouer. Je ne m'avouerai pas vaincu. Les doubles. Alors c'est le dernier combat, hein. Mais l'effet ne compte que pour l'un d'entre eux, maître. Alors trouve le vrai individu et jette-lui la vérité en pleine face. Oui, allez-y. Alors comment je découvre le vrai, là? Je ne peux pas reculer. Le vrai, il a l'épée, ok. Lol. Je ne m'avouerai pas vaincu. Dégagez de là. Il est un peu con. Seule ton espèce est à être viable, d'ailleurs. C'est la création qui est à l'origine du mystère tentaculaire de cette ville. Paf. Bah oui, t'as l'épée, mais il est complètement con. Le vrai a l'épée. Tintintin. Pour pouvoir résoudre tous les mystères. On est un bonheur à tous. Tant que ton clone, je désire la même chose. C'est pourquoi je protégeais tout le monde à Kanai Ward. Ouais, mais je suis pas d'accord. C'est pas heureusement mon cul. J'ai jamais demandé à voir le jour. Bon, ça c'est vrai. Moi non plus. Bah oui, mais c'est pas nous qui avons fait les recherches, hein. Enfin, après, ça se base à toute forme de vie. Hein, Yomi des pacificateurs détenait le pouvoir au sein d'Amaterasu. Quand l'expérience du GU a été une réussite, Amaterasu a paniqué et a collecté le sang de tous les habitants de Kanai Ward. Bon, c'est le projet homoncule. Mais l'expérience a été un échec, le soleil a rendu tout fou, les homoncules déficients qui ont dévasté la ville.
C'est évidemment le nom connu sous la semaine disparue. J'ai alors tenté d'arranger les choses. Tu as construit le générateur de pluie. Mais pas avant qu'ils ne massacrent leur modèle. Et évidemment, les homoncules ont tout oublié de cette semaine disparue et ont repris cours cette semaine se croyant humains. Parce que chaque forme de vie n'a jamais demandé à venir devenir vivant. Hein. Le fait est qu'il l'est. Oh, le soleil qui se... Enfin, la lumière qui est en train de se... J'avais pas vu que c'était en train de s'éclairer en haut, là. Ta-ta-ta. Je ne m'avouerai pas vaincu. Oula. Je dois te battre. Ah non, merde. Ah, putain. Saloperie. C'est toujours Y, là, j'ai pas appuyé sur Y. Je dois te battre. Ta-ta. On va faire en haut. On va sauver tout le monde. Paf. Ah. Vas-y, Giga Shinigami. A toi de jouer, maître. Paf. Bien joué ça. Sauf que, lorsque tu as découvert les recherches atroces commanditées par le GU, donc le gouvernement unifié, tu les as fait chanter pour étouffer la vérité sur le mystère de la semaine disparue. Et boum. Mon combat final n'a pas trop de sens, hein, il faut l'avouer. Mais c'est drôle. J'ai pris les mesures s'imposer pour le bien de Kanai Ward. Bien sûr. Les homoncules surtout. Mais tout cela n'a fait que de créer des... plus de mystères non résolus, ok. Pourtant, à la base, je voulais aider les homoncules, je devais les aider. Et oui. Sur qui pouvait-il compter? Bah personne, à part moi. C'est bien le principe, c'est des homoncules. Faut les cramer maintenant. Et il faut condamner ceux qui ont fait les recherches, évidemment. Parce que c'est le grand n'importe quoi. Hein. Après tes négociations avec le GU, Kanai War, la ville s'est refermée sur elle-même, isolée et autonome. Ah. PDG Amaterasu de l'époque a tenu sa parole et t'a confié son poste. T'as immédiatement profité pour mettre fin aux recherches aux homoncules. Et ce pour éviter de réitérer la tragédie. Ah, comment je fais pour le... Ah, je pouvais pas. Okay. Tu as manipulé le MD en te faisant passer pour numéro 1. Tu as enlevé les pires criminels avant de les renvoyer vers Kanai Ward. Ah oui. Il a emprunté les traits numéro 1. Donnez-moi les... Donc de lui-même. Donnez-moi les cadavres. À moi de jouer. Et c'est le seul qui a pas de lumière dans les yeux. Là, tu te transformes en nourriture destinée aux homoncules de la ville. Paf. Telle est la vérité dans les affaires d'enlèvement à l'échelle mondiale. Là, je savais pas s'il fallait que j'appuie sur les boutons ou pas, mais j'ai fait en sorte que oui. Hein. Ça a l'air de m'agresser. Les émotions doivent être écartées pour trouver une solution parfaite. Pour une déduction parfaite. Solution parfaite. La fameuse. Telle a toujours été ma devise. Quand j'ai appris que j'étais un homoncule, ça a tout chamboulé. Eh oui. Forcément. Les gens comme moi, j'ai découvert l'existence. Gens comme moi et j'ai changé. Ça doit être un peu horrible d'apprendre ça quand même, mais. Ta-ta-ta, t'es le seul qui était viable quand même. Directeur Yomi représentait une menace pour ton souhait en protégeant les homoncules de Kanai Ward. En effet, le docteur Wesca et lui prévoyaient d'informer le reste de la planète
de leur existence. Ce secret qu'un Hayward avait été révélé, le GU était obligé d'attaquer. Yomi devenait trop puissant. Alors que tu as convoqué des détectives pour te débarrasser de lui. Eh oui. C'est cohérent. Dans l'ombre, tu as aidé Chef Yaku à se venger, ainsi l'auditeur Wesca et Yomi étaient tous les deux hors de course. Sachant que tous étaient des homoncules, quoi. Wesca qui voulait révéler que les homoncules existaient alors que c'en était un. Il ne m'avouerait pas vaincu. Comment il crée d'autres épées comme ça, lui? Je dois te battre. Dégagez de là. Hop. Je vais pousser. Ya. Et boum, dans ta gueule. Même seul, je continue le combat. Je dois te battre. C'est plus qui parle là. Je dois sauver tout le monde. Je dois le faire. Ok, c'est lui. Ya. Il va faire quoi là? Il doit smasher le loup. Oh non, mais pourtant j'ai appuyé. Maître, je vais t'aider. Ya. Chopez-le. Et voilà. Ok, j'ai pas eu à appuyer sur un bouton. Merci Shinigami. Ya. Voilà tous les éléments, tous les événements qui ont pris place à Kanai Ward. Makoto Kagutsuchi, en brandissant ton désir de protéger Kanai Ward en guise d'excuse, tu as enfui sous un voile de mystère toute la vérité. Ok. Mais on s'appelle peut-être Makoto Kagutsuchi. Hein. Peut-être son vrai nom. Uah. C'est peut-être le vrai nom de numéro 1, Makoto. S'il serait une référence du coup encore plus grosse, j'ai bien compris que Makoto c'est le nom du... C'est ma solution parfaite. Seulement voilà. Le reste du monde ne s'est pas préparé. La WMD m'appartient, pour le gouvernement unifié, ça ne saurait tarder. Aïe, c'est ça. Le fait que... Le nom de Makoto, c'est le nom du protagoniste de Danganronpa. Du coup, là, c'est un peu aussi le nom du personnage principal, du coup. Mais mentir aux habitants de Kanai Ward ne dure que trop longtemps. Tu sais que la fin arrivera un jour, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Que suis-je censé faire? Ben rien. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je puisse sacrifier pour sauver tout le monde? Kanai Ward. Ce temps, j'ai porté ce fardeau seul. On va te plaindre. En vrai, c'est un peu triste parce que c'est le seul qui est un peu conscient. Mais je n'en peux plus, j'ai besoin d'aide. C'est un peu triste quand même. S'il a les mêmes souvenirs que Yuma. Hein. C'est comme... Enfin, oui, c'est ça, c'est comme Yuma. C'est juste un deuxième Yuma. Et lui, il a réussi. C'est un peu sad quand même. Pin, pin, pin. Bravo, maître. Désolé, Shinigami, ce n'est pas le moment de s'extasier. Tu voulais que quelqu'un t'arrête dès le début, n'est-ce pas? Tu espérais être puni pour tes crimes. C'est pour cela que tu m'as conduit ici. Perdre volontairement, ce n'est pas mon genre. Tu es bien placé pour le savoir. Tu es le vrai moi. Un seul d'entre nous en réchappera. Mon but était de faire le point avec toi. Et apparemment, la conclusion a émergé. Je m'en suis rendu compte dès que j'ai posé le pied dans cette ville. En ce qui concerne les mystères de Kanai Ward, la solution parfaite n'existait pas. La contradiction est grande ici. Pour appliquer ma solution parfaite, j'ai dû commettre un autre crime. Je hais les mystères non résolus plus que n'importe qui. Et
pourtant j'en ai créé encore plus. Les mystères m'ont dévoré. Kanai Ward ne peut plus rester sous la pluie. On ne peut pas vivre éternellement dans un monde de mensonges. Nous devons mettre un terme à tout cela. Je suppose que oui, c'est notre seule option. Mais as-tu le courage nécessaire? C'est un choix difficile à assumer. Qu'y a-t-il? Si tu refuses, c'est comme si tu capitulais devant moi. Pour le bien de Kanai Ward, je suis capable du pire. Prends ta décision. Vas-tu faucher mon âme, détruire le labyrinthe des mystères et dévoiler la vérité de Kanai Ward? Ou abandonner et rester ici éternellement? Quelle est ta solution? Maître, j'ai déjà dit tout ce que j'avais sur le cœur. Au final, c'est ta décision. Je crois en toi. Qu'est-ce que tu t'attends pour m'envoyer en enfer? Si tu ne le fais pas, c'est toi qui mourras ici. Sauvegarder. Est-ce que ça nous fait une fin, une deuxième fin? Ça nous fait une deuxième fin peut-être. Ça me paraît très cool. De rester dans le labyrinthe des mystères. Je crois en toi. De détruire le labyrinthe des mystères. Prends ta décision. Vas-tu faucher mon âme, détruire le labyrinthe des mystères et dévoiler la vérité de Kanai Ward, ou abandonner et rester ici éternellement? Quelle est ta solution? Maître, j'ai déjà dit tout ce que j'avais sur le cœur. Au final, c'est ta décision. Bon, on va faire détruire le labyrinthe et on refera l'autre. Voir ce qu'il se passe. Si tu choisis d'anéantir le labyrinthe des mystères, je faucherai l'âme du coupable comme d'habitude. Cet endroit disparaîtra de même que la personne responsable de tout ça. Les affaires d'enlèvement seraient classées, mais Kanai Ward serait en proie au chaos. Le monde apprendrait l'existence des homoncules, qui sait qu'il y en aura deux et de la ville. Je ne sais pas quelle est la meilleure alternative. Révéler la vérité pour permettre au plus grand nombre d'êtres heureux, c'est la solution parfaite. Pour ça, il faut... Et là, qu'est-ce qu'on a? Si tu choisis de rester dans le labyrinthe des mystères, je ne peux pas t'en empêcher. Il finira par absorber ton âme et tu disparaîtras sans laisser de traces. Si tu considères que c'est la meilleure chose à faire, je t'accompagnerai jusqu'à la fin. Lui n'a pas signé de pacte, c'est grâce à Coalescence qu'il est ici. Donc, une fois que tu disparaîtras, Coalescence s'arrêtera et il sera éjecté d'ici. En d'autres termes, il sera le seul à sortir du labyrinthe des mystères. Non, non, mais on va faire ça, hein. Tu es sûr, tu n'auras pas de regrets, maître. Est-ce vraiment la bonne solution? Ok. Je me fais hésiter. J'ai décidé d'eux. On va faire ça et on rechargera l'autre pour voir ce qui se passe si on fait l'autre choix. J'ai pris ma décision. Le labyrinthe des mystères doit s'effondrer. Quel soulagement. Je savais que je pouvais te faire confiance. Je te confie le reste. Je peux enfin y mettre fin. Non, ce n'est pas moi qui vais détruire le labyrinthe des mystères. Quoi? Il me suffirait de rassembler des preuves et de dévoiler les secrets de Kanai Ward pour résoudre cette affaire. Ce serait facile en faisant abstraction de toute émotion. Mais ça ne me convient pas. Ce n'est pas la solution parfaite que je cherche. Si certains doivent se sacrifier, ce n'est pas la solution parfaite. Ah, c'est peut-être la même chose qu'importe le choix alors. Tu comprends toujours pas, l'idéalisme ne résout rien. Il ne s'agit pas seulement de mes idéaux. J'ai un plan. Que vas-tu faire? J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. À cette solution parfaite qui rendrait heureux le plus de monde possible à Kanai Ward. La réponse n'existe pas. Au final, les détectives ne sont que des intrus. Et des intrus n'ont pas la légitimité de choisir à la place des gens concernés. Alors, pourquoi ne pas laisser les habitants de Kanai Ward trancher? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu leur raconteras la vérité pour qu'ils puissent forger eux-mêmes leur avenir. Laisse les gens décider comment résoudre ce problème. C'est ça ta solution? Refiler le problème aux autres? Ce n'est pas ma solution, c'est leur solution. Cette décision que je ne peux pas prendre seul, je la confie aux habitants de Kanai Ward. Même si le meilleur détective venait à la rescousse, ça ne suffirait pas. Seuls les habitants peuvent résoudre les contradictions auxquelles ils sont confrontés. Je crois sincèrement qu'ils vont accepter la vérité. J'en suis certain, j'ai confiance en eux. Et je suis sûr que toi aussi tu aimes Kanai Ward après tout. Que ce soit bien ou mal, au moins tout le monde sera sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est la solution parfaite dans cette situation. Mais comment s'y prendre pour annoncer la vérité? Il pourrait ne pas y croire. Voilà pourquoi tu dois t'en charger. Tu dois tout leur raconter toi-même. Pas en tant qu'homoncule de numéro 1, mais en tant que PDG d'Amaterasu, protecteur de Kanai Ward. Les gens t'écouteront.
Toi et les habitants réfléchirez ensemble main dans la main à la solution. Résoudre le mystère dans le monde réel, détruire le labyrinthe des mystères qui en a découlé. Pas vrai? Après tout, le labyrinthe est l'incarnation physique d'un mystère dans le monde réel. Si ce dernier disparaît, cet endroit n'a plus lieu d'être. Parfait, tu dois partir d'ici vivant pour pouvoir détruire le labyrinthe des mystères depuis le monde réel. Et toi, tu vas rester à ma place? Maître, j'imagine que tu en es conscient, mais ça revient à attendre la mort. Oui, j'en suis conscient. C'est vraiment ce que tu veux? Ok, donc je pense que dans tous les cas, on a le même dialogue. Sacrifie ta vie pour permettre à autrui de trouver la solution. Un choix surprenant de la part d'un détective. Peut-être. D'un autre côté, je ne suis qu'un apprenti. J'ai toujours agi seul, et ce même avant d'arriver dans cette ville quand j'étais encore numéro 1 de l'OMD. Je n'ai toujours compté que sur moi-même pour tenter d'atteindre la solution parfaite. Nous partageons le même ADN et pourtant, tu demandes à quelqu'un d'autre pour trouver la solution à ta place. C'est étrange de dire ça à quelqu'un qui n'est autre que de moi-même, mais tu es un génie. Ah oui, vas-y. C'est pourquoi tu as apporté tout le fardeau, mais tu t'es surestimé. D'un autre côté, même si j'ai tant perdu, j'ai pu en sortir grandi. Je suis loin de la perfection, alors je dois espérer que les autres comblent mes défauts. Tu comptes toujours sur les autres quand tu es en difficulté. Mais se fier aux autres, c'est admettre sa vulnérabilité devant eux. C'est leur faire confiance et c'est remettre sa vie entre leurs mains. Tu n'arrives pas à trouver la solution parfaite, pourquoi ne pas confier cette mission à quelqu'un d'autre? Bien, laisse les autres décider à ta place, je te reconnais bien là, maître. Peux-tu annuler Coalescence? Oui, quiconque maîtrise Coalescence peut en révoquer les effets à tout moment. Après la désactivation de Coalescence, que va-t-il lui arriver? Il n'est pas censé être ici, alors il sera expulsé vers le monde réel. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre un terme à ta Coalescence. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous en arrêt. Le temps est arrêté dans le monde réel, non? Je vais attendre ici que tu détruises le labyrinthe des mystères depuis l'extérieur. D'ici là, ton âme se dissipera. J'en suis sûr, maître. Et si je te trahis, je pourrais partir d'ici et ne pas révéler la vérité. Non, tu ne ferais jamais ça. C'est que je peux te faire confiance. Tu ne seras jamais un grand détective, maître. Je radote, mais t'es juste trop naïf. Je ne peux pas le nier. Tu as de la chance de l'avoir comme partenaire. Tu as fait l'habitude d'opérer seul, mais tout a changé au moment de ton amnésie. Tu as accepté l'aide de ta partenaire et c'est comme ça que tu as surpassé ton ancien toi. Quelle ironie. Très bien, tu peux me faire confiance ou je m'occupe du reste. Je vais donc dissiper ma coalescence. Il n'y a pas l'air d'être une tête à qui on peut faire confiance, là. Mais surtout, ils sont figés dans le temps, là. Ça va rien changer du tout. Le temps, il a arrêté dans le monde réel. Je vois pas comment ça peut résoudre ça, là. Incohérence. Voilà, il est parti. Oui. Au fait, maître, tu peux toujours changer d'avis. Si tu fauches l'âme du coupable, le labyrinthe des mystères s'écroulera comme à l'accoutumée. Oui, je sais, je sais. Mais détruire le labyrinthe des mystères de l'extérieur est plutôt une bonne idée, venant d'un crétin tel que toi. Mais t'as tout fait capoter à la fin. Gentillesse n'est vraiment pas ton fort. Ce n'est peut-être pas la solution parfaite, mais si les résidents de Canary Wharf l'acceptent... Oh, mais quel dommage. Je voulais faire de toi un détective meilleur que numéro 1 lui-même. Mais c'est de l'histoire ancienne, je suppose. Exit. C'est pas possible ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais marcher, c'est l'issue de secours du labyrinthe des mystères. L'issue de secours? L'issue de secours, c'est vrai, il y en a une, en quelque sorte. Ah bon? Mais la franchise ne résoudra rien, ce sera toujours tendu dans le monde réel. En plus, utiliser l'issue de secours requiert de payer un très lourd tribut, c'est-à-dire... Bah, peu importe dans cette situation, elle ne te sert à rien de toute façon. Non, cette porte, c'est l'issue de secours. Elle t'amènera au moment où Makoto a pointé une arme sur toi avant que nous entrions dans le labyrinthe des mystères. Mais il ne devrait pas te poser de problème maintenant, alors je suis sûr que tu peux partir sans t'inquiéter. Quoi, c'est tout? Et ce lourd tribut, c'est quoi? Oh, ça, c'est trois fois rien. Notre pacte sera résilié. Quoi? Mais si cela arrive, tes souvenirs reviendront. Peut-être que ça vaudra mieux pour toi. Je peux récupérer mes souvenirs. Si je passe cette porte... C'est ça. Mais si notre pacte est résilié, que va-t-il t'arriver? Ça ne te concernera plus. Tu oublieras tout ce qui est attrait au labyrinthe des mystères et tu m'oublieras moi aussi. Hein? Pourquoi? Ça marche comme ça avec les dieux de la mort. C'est pour cette raison que notre existence est plutôt secrète. Ceux qui ont pénétré dans le labyrinthe des mystères grâce à Coalescence oublieront tout eux aussi. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas retourner dans le livre? Soit je retourne dormir dans le livre de la mort pendant des siècles, soit je disparais avec ce labyrinthe. Honnêtement, je ne sais pas. Personne n'a jamais utilisé l'issue de secours. Mais si c'est toi, maître, ça me va. Mais c'est atroce. Bref, j'imagine qu'on se sépare ici. C'est quoi cette tête? Tu devrais sauter de toi. Tu retrouveras la mémoire et tu seras enfin débarrassé de ta partenaire envahissante. Comment pourrais-je me réjouir? Tu m'as tellement aidé.
N'y a-t-il aucun moyen de quitter cet endroit ensemble? Ne fais pas ça, maître. Tu devrais te précipiter vers la porte en beuglant à la revoyure ou un truc du genre. Tu devrais dire que notre partenariat a été un calvaire. Sinon, tu vas me faire douter. Et avant de perdre tes souvenirs, tu résolvais des affaires sans l'aide de personne, pas vrai? C'est ce qu'il paraît, mais je n'en ai aucun souvenir. C'est parce que tu as perdu la mémoire que tu as eu besoin de soutien. Numéro 1 et toi avaient emprunté des chemins différents. Mais au final, tu as étudié élucidé le mystère d'Akalaward, un exploit dont tu étais auparavant incapable. Peut-être qu'avant de perdre la mémoire, tu avais prévu que tout ça arriverait. Tu savais que seul, tu ne pouvais pas atteindre la plus parfaite des solutions. Alors tu as fait confiance au nouveau toi qui allait repartir à zéro. Puis tu as aussi fait confiance aux habitants de Kanaiward, maître. C'est pour toutes ces raisons que je ne veux pas t'oublier. Sinon, comment me ferais-je pardonner? Tu vas devoir t'y résoudre, il n'y a pas d'alternative. Eh bien, c'est par miracle que tu te souviens de moi juste l'espace d'un instant. Sache que je te souhaite de réaliser ton rêve. Tu sais, celui de résoudre tous les mystères de ce monde et de résoudre tout un chacun, de rendre tout un chacun heureux. Oh, maître, t'es pas un pleurnichard, si? Je n'y peux rien. Allez, reprends-toi. Redresse-toi et marche la tête haute, même sans ta très chère dévouée. Je te fais confiance, maître. C'est triste, moi, Shinigami, je l'aime bien. Oui, je te le jure. Un jour, je te montrerai un monde où tout un chacun est heureux. Promis. Bien. Le temps presse, dépêche-toi, le labyrinthe des mystères ne va plus tarder à t'absorber. Shinigami? Pourquoi tu me fais ça? Je veux pas prendre la porte avec nous. Oh, attends. Un petit bisou. Bye bye, master. À plus, maître. Thank you. Merci, Shinigami. Shinigami. Tu peux pas traverser la porte avec nous. C'est dommage. Je suis pas triste. Être seul. J'ai l'habitude. Il faut ce qu'il faut pour résoudre ce mystère. N'est-ce pas? Mais Shinigami, vous voulez sacrifier personne et au final c'est Shinigami que tu sacrifies? C'est quoi cette histoire là? Puis comment il a pu résoudre le problème là? Dans le monde figé dans le temps là. Le temps est arrêté, il peut pas résoudre, il peut pas faire un vote, demander aux autres de décider quoi que ce soit. C'est impossible. J'ai convaincu cet apprenti détective. Les préparatifs sont terminés. Nous pouvons commencer. Je vais te voler tes souvenirs. Tu es vraiment certain que c'est ce que tu veux? Je pensais que numéro 1 de l'OMD pourrait résoudre l'affaire tout seul. Non. Là où je vais, rendre tout un chacun heureux n'est pas suffisant. De plus, il est préférable de voyager léger. Tu parles comme quelqu'un sur le point de se suicider. Je me prête à signer un contrat avec une lettre de la mort. Ça revient au même. Ou presque. Tu n'as pas tort. Quand tu rouvriras les yeux, tu ne seras plus le même. Oh, il y avait déjà un Amami, mais lol. Je compte sur toi pour prendre soin du nouveau moi. Notre pacte t'empêche de dire beaucoup de choses, mais j'espère que tu me guideras sur la voie du détective. Je te fais confiance. T'es dingue, vraiment. Confier ta vie à une déesse de la mort, c'est pas une bonne idée du tout. Je crois que toi et moi, nous nous entendrons bien. Es-tu sûr d'avoir assez de cran pour être mon partenaire? Tu vas pas passer ton temps à te plaindre. Enfin, puisque tu as l'air de me faire confiance, je serai ton mentor. J'apprendrai à voler un petit oisillon que tu seras pour faire de toi un super détective. J'ai hâte.
Nous pouvons commencer. Es-tu prêt à tout abandonner au nom de la vérité? Oui, bien entendu. C'est la réponse qu'on a faite au tout début du jeu, ça, non? C'est la question qu'elle nous a posée. Il me semble qu'on a commencé le jeu. C'est par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Je suis on ne peut plus sérieux. Je vais te montrer un monde où tout un chacun est heureux. C'est-à-dire quoi, ça? Même si c'est une version différente de moi, je te promets que je vais y arriver. Donc le pacte convient? Dans son intégralité? Oui, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a dans le pacte? T'as intérêt à respecter ta part du marché. Même si tu m'oublies. À la vie, à la mort, maître. C'était montrer le monde où tout le monde est heureux. Chapitre 5, il ne resta plus que moi. Fin, effectivement, mais c'est encore plus ça. Je suppose qu'il va y avoir un épilogue. Résultat, déduction SS, jugement SS, DRS et point de vie A. Voilà. Final S. C'est bizarre, ça tient. Toutes les affaires sont comme ça, presque. On va devoir pouvoir sauver. Ouais, on va pouvoir sauvegarder. On va sauvegarder. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Effectivement, c'est l'épilogue. On se retrouve dans le prochain épisode, probablement cette semaine, pour faire l'épilogue. Ciao, ciao tout le monde, et à la prochaine.